À la concentration. Shalom, shalom, madame Zambé. Soyez bienvenus sur la boutique de l'eau. La émission a mis sur les temps de l'éclaircissement et le rôle de la mosquée de Zambé, les prophètes qui arrivent même. À ce côté, toujours dans le thème, la vie sur la vengeance, il y a les mecs, puis il y a Caïen, pour se connecter et mêler. Vous voyez, ça va être l'écho, il y a un bon sali pour rappeler ma ressource. Collez ce qui vous a été copain pour la vie sur. Et qu'on peut s'en aller, qu'on partage à vous, qu'on partage à vous, au fur et à mesure que nous partageons, nous sommes qui sont malades, nous partout, et nous sommes qui sont bien, nous sommes qui sont là. La émission Oyo Poezo, sur la balle dans Zambé, qu'on peut s'aboyer, qu'on a vraiment la zone d'ombre, qu'on a la milili, et nous sommes qui sont les sous. Nous sommes qui sont les sous. Il y a une émission qui sont les sous, nous sommes qui sont les sous dans Zambé. Nanzela ya baloyemo, ngai ndekona bino le frère Timothée Mateta, elongo na le frère Bokel, et la sœur Nora, tout dans la frère la biso Stéphane, et la sœur Chris, et puis dans la sœur la biso Fiji, tout ce pays ya mbo émission banato et qui fait souvent dans Zambé, nanzela ya baloyemo, kolo et ce biso, afa mbo la biso, tout le monde pour l'animara, na komo na Yesu. Yeah.
Seigneur, tu sais combien je t'aime.
Thank you.
Que la grâce du Seigneur soit le partage de chacun de vous ce soir. Que le Seigneur puisse bénir. Bénir chacun de vous partout là où vous pouvez vous retrouver. Nous sommes dans notre émission le temps de l'éclaircissement. L'émission par laquelle moi, le votre frère Kiala Kimbembe, qui est le prédicateur et l'interprète, Ezali, docteur Van Flobel. À la traduction, c'est le docteur Van Flobel. Que la grâce du Seigneur est à la mort qu'on a mort. Que le Seigneur de gloire puisse vous combler de sa grâce et de son amour. Apeci, d'abord parole et paye à docteur Van Apesaba. Merci, prophète Kiala Kimbembe Meda. Amen. Shalom, shalom à tous ceux qui sont connectés en ligne pour suivre votre émission, le temps de l'éclaircissement, dont nous sommes en train de parler sur la vengeance de Caïn et de Lémec. Alors, comme de coutume, avant que nous rentrons dans le vif de notre sujet, nous précédons d'abord à vous rappeler les coordonnées téléphoniques des hommes de Dieu, ce qui vous permettra d'être en contact direct avec les hommes de Dieu. Je vais commencer par vous communiquer le numéro du frère Meda Kiala Kimbembe, qui est l'orateur principal de cette émission de temps d'éclaircissement. Il est joignable en plus 243 998 683 253. Il a un second numéro, plus 243 822 769 986. Le évangéliste Gustave, il est joignable dans plus 242 06 592 95 05. Il a un second numéro, plus 242 05 549 20 63. Nous précisons que ces deux numéros sont les numéros des hommes de Dieu sont joignables sur WhatsApp. Prophète, avant que vous puissiez prendre la parole, oui. J'aimerais vous rappeler les questions que nous avons reçues. C'est bon. Comme nous disons toujours aux bien-aimés que vous, si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations relatives au sujet qui est dispensé dans cette émission, n'hésitez surtout pas à nous faire parvenir les questions soit sur WhatsApp, soit sur Facebook, direct ou Messenger dans le compte de Van Flobel en débat votre et aussi dans le numéro WhatsApp que nous venons de vous communiquer. Nous avons reçu la question de notre frère Wilfried Paturel depuis la France qui vous a posé une question par rapport à Caïn. La question se situe dans Genèse chapitre 4. Le frère Wilfried veut savoir, prophète. Il veut savoir que peut-on dire de la terre qui a bu le sang d'Abel? Parce que quand l'Éternel est venu, après que Caïn a tué son frère Abel, le Seigneur a dit ceci à Caïn. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Ses désirs se portera vers toi, mais toi domine sur lui. Voilà. Je prends d'office le verset 11e. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Voilà la question de frère. Il veut savoir. Que peut-on dire de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir le sang d'Abel, frère de Caïn? Merci beaucoup pour la question, frère Wilfried. Notre frère, que Dieu te bénisse vraiment. Amen. Par souci d'union, ce que nous correspondons avec le respect des Écritures, à chaque fois, dans le souci de répondre
conformément à ce qui est écrit. Nous voulons toujours plonger nos regards sur la loi de Dieu. Nous voulons toujours plonger nos regards sur les Écritures. En regardant d'abord les Écritures de Dieu. Amen. Ils ont la terre appelée terre, premièrement. Amen. En considérant les Écritures de Dieu, nous vous rappelons que dans les Écritures, il y a terre et terre. Donc, il y a terre appelée terre, il y a terre comme une personne. Voilà, nous avons la terre comme l'homme, nous avons aussi la terre appelée terre proprement dite. Et terre aussi qui parle d'un peuple et recevoir la parole. Voilà, dans un sens de figuré, les Seigneurs présentent la terre aussi comme un peuple qui a reçu la parole. Et nous autres touchons d'abord terre appelée terre. Nous voulons d'abord en premier lieu vous présenter la terre dont le Seigneur a fait terre. Parce que quand tu lis les Écritures de Dieu, amen, la première des choses, dans Matthieu, chapitre 23, amen, Matthieu 23, lisons Matthieu chapitre 23, verset 34 dans 35e. Matthieu chapitre 23, verset 34 à 35. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns. Amen. Vous battrez les verges les autres, amen, dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. Afin qu'elle retombe sur vous tous les sangs innocents répandus sur la terre, amen, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Donc ici, le Seigneur parle de terre, terre d'abord, et recevoir sang d'Abel. Première donc, chose. Dans cette écriture, le Seigneur nous présente d'abord la terre, appelée terre, qui a reçu le sang d'Abel, frère de Caïn. Étendre et boire le sang, cela veut dire découvrir le sang. Quand cette terre a bu de sa bouche le sang de d'Abel, cela signifie que la terre a couvert le sang. Oui, toujours qu'il est malé, mais aujourd'hui, Esaïe 26. Voilà, nous allons avancer pas à pas. Nous prenons Esaïe chapitre 26. À partir du verset 21 à 21. Nous lisons à partir du 20e verset jusqu'au 21. Nous lisons le Seigneur. Amen. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme. Là, il est à notre départ, l'enlèvement. Lorsqu'il est dit « Va, mon peuple, entre dans ta chambre », c'est le signe de l'enlèvement de l'Église. Cache-toi pour quelques instants. Amen. Il y a mon état et sa Église a besoin de ressources sur la millénium. Voilà, lorsqu'il est... s'est caché pour quelques instants. Lorsqu'il est mentionné ici « Cache-toi pour quelques instants », cela prouve à suffisance que l'Église sera enlevée, mais l'Église va revenir encore sur la terre au moment du règne millénaire. C'est comme Séphora, la femme de Moïse. À l'image de Séphora, la femme de Moïse. Comme le Seigneur n'a qu'à juger l'Égypte. Quand le Seigneur a voulu juger l'Égypte, a sali partout le moyen que Moïse a renvoyé Séphora à Zonga et pas à Copan. Le Seigneur a créé un mouvement que Séphora soit renvoyée, qu'elle ne puisse pas participer au jugement de l'Égypte. Tu tends le jugement ici. Jusqu'à ce que le jugement de l'Égypte en et que Israël a libéré. Et que Israël est délivré, libéré. À côté de la marche et à ce chemin à salut. Et Israël est dans la marche du chemin du salut. Tous les gens, papa, y a moi si à Moïse, aïe, n'a moi si à Moïse dans le désert. Nous avons vu dans le désert que le père, le beau-père de Moïse, a ramené Séphora vers Moïse dans le désert. Donc Séphora est après jugement et à Égypte. Nous voyons que Séphora a rejoint Moïse après qu'Israël a été délivré de l'Égypte.
Donc Dieu ramène ce qui est passé. C'est un signe qui démontre que Dieu ramènera ce qui s'était passé. Donc, ce signe explique que quand nous irons à l'enlèvement, après l'enlèvement, il y aura un jugement qui va s'abattre sur la terre. Mais nous allons ensemble, Bissot, Israël et aussi les nations qui vont rester après l'Armageddon. Après ce jugement que le Seigneur délivrera Israël par la bataille d'Armageddon, l'église qui sera enlevée va rejoindre, n'est-ce pas, le Christ sur la terre et nous serons ensemble avec Israël pendant le règne de Christ de 1000 ans. C'est ça, Ésaïe 26. C'est écrit dans Ésaïe chapitre 26. Cache-toi pour un temps, jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure. Donc l'Éternel, il est comme le soleil. Voilà. Quand il sort de la demeure, c'est que c'est le matin. Ici, nous voyons qu'il est dit, lorsqu'il est dit que l'Éternel sort de sa demeure, étant le soleil, sa sortie de sa demeure n'est autre que le temps du matin comme levé du soleil. Et il y a un de Matthieu 16, c'est ce qu'il dit, Matthieu chapitre 16, verset 3. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau. Car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui. Car le ciel est d'un rouge sombre, vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes du temps. Donc, le matin, il y aura des pluies avec des tonnerres. L'orage. Amen. Donc, il y a un des arbres, on tient la verset 21 et à Ésaïe 26. Car voici l'Éternel sort de sa demeure. Le temps de l'orage qui est le temps du matin, dont parle le Christ ici dans Matthieu 16, le verset 2, c'est ça ce que Ésaïe 2 à 3, c'est ça ce que Ésaïe 26e parle sur le chapitre 26e, le verset 21, parle au sujet de la sortie de l'Éternel de sa demeure, c'est-à-dire c'est le temps du matin. Et les chrétiens le disent pour punir les crimes des habitants de la terre. Et l'Écriture précise dans Ésaïe que sa sortie est pour punir les habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu. Amen. Et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les mers. Et amen. Voilà. Là, on parle de terre-terre. Ici, nous voyons la terre comme terre, proprement dit, la terre-terre. Donc, il y a un monde de cette terre-là, Pierre à l'Obaki. C'est la terre dont parle Pierre, le chapitre 2e. Dans Acte chapitre 2. Acte 2e. Acte chapitre 2e. Amen. Acte 2, acte 2e. Nous lisons l'écriture de Acte chapitre 2, le discours de Pierre. À partir du verset 19e. Nous lisons à partir du 19e verset de chapitre 2. J'ai bien entendu. Amen. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel. Amen. Et des miracles en bas sur la terre. Amen. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres. La lune en sang. Au moins la lune en sang. Ah, vous voyez, la lune qui se changera en sang ici. Si tu cherches cette lune qui se changera en sang dans l'Apocalypse, ça n'existe pas. Si tu cherches la lune qui se changera au sang dans les Écritures, ça n'existe pas. Cette lune n'est autre que la terre qui mettra le sang à nu dont parle le prophète Esaïe. Voilà, c'est ça. Amen. La terre, ils vont mettre le sang à nu et vous couvrez sous toute terre. Voilà. Vous pouvez tous les sentir bien et voir le sang, mais vous tient autour à nu. L'action de mettre à nu le sang, ça veut simplement dire que la terre ne va plus couvrir le sang, mais la terre va révéler ce qui est caché, c'est-à-dire le sang. Là, pour Nakoya, pour juger Babylone. Et c'est le signe du jugement. Quand le Seigneur viendra juger Babylone la grande. Par rapport, il y a 100 ans, c'est ce qui répandit sur la terre avec les terres.
par rapport au son, au tous les sons des justes, de tous les sons qui ont été répandus depuis les temps anciens, qui se retrouvent dans Babylone. Et on a vu Apocalypse 18, verset 24. C'est ainsi que je donne l'étude du livre d'Apocalypse, chapitre 18, le verset 24. Et l'on a trouvé chez elle, amen, les saints des prophètes, amen, des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Donc, parmi les saints des prophètes, saint Abel Bézel. Voilà, parmi les saints des prophètes, il y a aussi les saints d'Abel, Abel étant les prophètes. Donc, Écriture dit qu'il terre, voilà, comme terre. C'est comme ça qu'on prêche la parole. Cette écriture laisse la terre comme terre, proprement dite, la terre dont parle. Oui. Dont parle l'écriture dans Genèse. Oui. Et cette terre nous révèle Babylone. Oui. Terre, terre comme quelle terre où il y a éliminé tous les péchés. La terre ici, c'est comme. Voilà, tout le mal, tous les sons versés, les sons des prophètes, les sons des saints, les sons de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre, tous ces sons-là, le Seigneur comptera, redemandera ce son-là entre la main de Babylone la Grande. Voilà. Et ça aussi, la terre comme un peuple. Oh, le Seigneur a présenté dans Jean 6. En dehors du sang comme terre proprement dite, il y a aussi la terre comme peuple dont le Seigneur parle dans le livre de Jean. Au moins, nous sommes aujourd'hui Jean chapitre 6. Alors, si vous prenez Jean chapitre 6, Jésus-Christ, nous lisons le Seigneur. Amen. À partir du verset 49. Nous lisons à partir du 49e verset. Jusqu'au verset 57. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Mm-hmm. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disent quitter, voilà verset 52e, il y a Jean 6. Là-dessus, les Juifs disent quitter André, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Le véritable Abel. Or, le Seigneur, ici, il est le véritable Abel. Maintenant, le sang d'Abel, c'est une terre née Melakiam. Nous avons vu que le sang d'Abel, c'est une terre qui avait bu le sang d'Abel. Na bandelina nous que terre on est Melaki sang Abel est d'abord premièrement terre mouillée. Je réponds. Je réponds d'abord pour vous dire que la terre qui avait bu le sang d'Abel n'est pas une terre spirituelle. D'abord. C'est la terre. C'est d'abord. D'abord, c'est ça. C'est d'abord la terre. Premièrement la terre. Jésus a le milieu en Matthieu 23. C'est de là que nous avons vu le Seigneur a parlé de ça dans Matthieu 23. Et puis il y a un angon à Apocalypse 18e verset 24. Et ensuite il a ramené ça dans Apocalypse chapitre 18e verset 24. Là, il y a vraiment la terre bouillée. Hein? De là, il parle de la terre. Terre bouillée. Et on met la maquila carayabelle terre, mais maquila est béni et béni. Donc il parlait de la terre que nous parlons, la terre proprement dit, qui ne boit non pas seulement le sang d'Abel, le sang des prophètes, mais le sang de tous ceux qui sont égorgés sur la terre. Voilà. Mais le Seigneur avait promis. Mais le Seigneur, il avait promis. Que la terre mettra le sang à nu. Le Seigneur, il est venu prophétiser par les prophètes que la terre mettra le sang à nu. C'est ce que Pierre a nommé qui la ligne et comme ce mouvement, ce langage de la terre qui mettra le sang à nu, Pierre a parlé de ça sous forme de la lune qui se... C'est
cela veut dire bah châtiment nous serait sur la terre malgré le jugement Seigneur. C'est ce qui signifie les, sur la terre. Le temps de la colère quand le Seigneur frappera la terre de toutes sortes de fléaux. D'être le béni maintenant toujours toucher maintenant terre comme un peuple. Voilà. Une autre portion que nous voulons toucher à présent, nous voulons vous présenter la terre comme peuple. Oui, aux âmes qui est le véritable Abel, Jésus-Christ qui est le véritable Abel. La terre comme peuple, donc, Christ et Jésus le véritable Abel, explique clairement que cette terre veut dire aussi ce peuple qui est là présenté, voilà, qui doit boire son sang. Amen. Ici, le Seigneur veut nous présenter une autre portion de la terre comme étant un peuple qui devait boire son sang d'après Jean chapitre 6e. Voilà, verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je les ressusciterai au dernier jour. Amen. Or, ce sang, c'est le sang que Caïn a commandé son frère bon et qui est la terre, maintenant, mais la mort. Christ étant le véritable Abel, c'est que la terre qui boit le sang d'Abel, c'est en réalité la terre qui boira le sang d'Abel que Caïn va tuer. Voilà. À lui, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeurerai en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu cette parole, il dit, qui peut l'écouter. Plusieurs de ses disciples, basons jouer rôle à Caïn. Lorsqu'il est question de plusieurs de ses disciples, dans le verset 60, les plusieurs de ses disciples ici portent la portion de Caïn. Oui, parce qu'il va résister la parole. Car ils ont tous résisté à la parole. Dévalu Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont descriptives. Donc, tout le monde a division pour ça, les lions. Nous voyons ici une forme de division. Bamoussoussou, babouille, comme une séparation aussi. Bamoussoussou, babouille, enseignement au Christ, alors, de Batélémélia. Nous voyons une séparation dans ce verset. Ceux qui avaient refusé la parole que Christ avait prononcée de boire la chair, de manger la chair et de boire le sang, ceux-là, ils ont résisté à la parole. Les autres sont restés avec lui. Donc, maintenant, ma Pierre, ma Jean, ma Jacques, ma Ticali, na Christ. Cela veut dire, bamou bandimi, comme la makila. Ah, ceux qui sont restés avec Christ, tels que les Pierre, les Jean, les Jacques, les Matthieu, cela signifie ceux-là composent la terre qui doit boire le sang du véritable Abel. Ok, que Dieu bénisse. Amen. Donc, c'est ça d'abord la chose à laquelle on va répondre. Voilà, c'est donc, que... Donc, aucun état a dit directement à terre. Venir l'église qui boit le sang. Non, non. Il ne faut pas seulement aller saper place la terre, parce que le Seigneur attend pour lui faire la terre. Il faut d'abord donner la place et la terre, parce que le Seigneur, il a marché aussi à la terre pour présenter la terre comme terre proprement dite. Ensuite, voyez la Jean 6. Et ensuite, dans une autre dimension, tu ramènes la terre dans Jean 6 pour présenter. Parce qu'il y a sa frère Abel. Car lui, il est le véritable Abel. Alors, sans naïe et copiement, puis vous allez en abattre, mon copain, vous mélangez. Voilà. Lui étant le véritable Abel dans Jean 6,
il a prophétisé que son sang sera versé et il y aura un peuple qui va boire ce sang-là. Et ce peuple, oui, oui, les autres, c'est l'Église. Ce peuple présente l'Église. Là, sur les églises, bah, Pierre, bah, Jean, bah, Jacques. Dans ce mouvement, les Pierre, les Jean, les Matthieu, les Jacques étaient comme le signe de l'Église qui boit aujourd'hui le sang du véritable Amen. Maintenant, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole et dire qu'ils veulent l'écouter, va ôter sa portion, il y a Caïn qui résiste à la parole. Voilà. Plusieurs de ses disciples, il est question ici, forment, composent, n'est-ce pas, Caïn qui résiste à la parole, qui est Israël. Parce que, bah, bien là, qui n'a pas. Car ils se sont retirés, ils ont résisté à cette parole est Dieu, qui peut l'écouter. Que Dieu vous vienne ici, mais. Il y a beaucoup de choses à développer, mais nous venons juste l'essentiel. Nous autant le texte dans l'histoire, il y a Genèse chapitre 4. À présent, nous voulons prendre notre texte basique de Genèse chapitre 4. Verset 24 jusqu'au verset 26e. Nous lisons alors le Seigneur le verset. Amen. Caïn sera vengé 7 fois. Amen. Et le maître 77 fois. Amen. Adam connit encore sa femme, elle enfanta un fils. Et la Bible lui donne le 7. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. 7 eut aussi un fils. Et il appela du nom de l'ange. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est la parole du Seigneur. Amen. Tous autres, d'abord comment le Seigneur a placé calendrier prophétique dans les Écritures saintes. Nous voulons premièrement montrer la manière dont le Seigneur a placé le calendrier prophétique dans Genèse 4. D'abord, tant aujourd'hui, texte, il y a Actes des Apôtres, chapitre 7e. Lorsque nous évoquons d'abord le texte de Actes des Apôtres, chapitre 7e, quand Étienne, Azalek, qui posa la défense, n'aille. Dans la défense de notre frère Étienne, à partir du verset 23, 22e même, à partir du verset 25e. Acte chapitre 7e, à partir du 22e verset jusqu'au verset 25e. Nous lisons au nom du Seigneur. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait. Et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égypte. Il pensait que ce frère comprendrait que Dieu lui ait accordé la délivrance par sa main. Mais il ne comprit pas. C'est la parole du Seigneur. Alors, attends, toujours tant là, le mouvement Oyo Étienne a évoqué. Ici, lorsque nous voyons, nous considérons la défense de notre Étienne, de notre frère Étienne. Tant raison qu'il a visité ce frère. Lorsqu'il évoque que Moïse va visiter ses frères. Tant raison qu'il a visité d'abord la première fois. Lorsqu'il est allé visiter ses frères pour la première fois. À Koutaki, Bazali, outragé l'hébreu. Pour la première fois, il a croisé qu'on était en train de outrager ou de frapper l'hébreu. Par un Égyptien. Par un Égyptien. Au moins, cet Égyptien-là, ils ont présenté ma puissante nation, ils ont maltraité Israël. En réalité, cet Égyptien qui frappait l'hébreu représente l'ensemble de toutes les nations qui maltraitaient Israël. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tant lié à lié. Quand Moïse y arrive, quand il y a Moïse, première fois, il a le lingi Oyo, Zambé Azalaki, quand il y a Oyo, la loi Azalaki. Quand Moïse arrive pour la première fois pour frapper l'Égyptien,
C'est le signe qui explique la façon dont l'Éternel descendait du temps de la loi, comment est-ce qu'il a arraché Israël entre la main de ses ennemis, des grandes nations qui les maltraitaient et les frappaient. C'est pourquoi ton petit témoignage, Matthieu 23e. C'est ainsi que nous évoquons Matthieu chapitre 23e. Verset 37e. Verset 37e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Matthieu 23, le verset 37. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes. Amen. Et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Amen. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Mm. Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Azota l'isake, Nathanion soizanaki, avant qu'il y ait dans la chair, il était toujours. Dans ses discours, le Seigneur montrait que tous les temps, avant qu'il puisse apparaître dans sa chair pour un corps, il était toujours avec le peuple, il était présent. Yango moni na 2 Samuel chapitre 5e aussi. Et c'est pourquoi lorsque vous prenez 2 Samuel chapitre 5e, quand ma frère David et donc les Israélites, Bazoye Bissaye, Quand les frères de David disent à David qu'ils ont besoin de lui, à partir du verset 1er, verset 5e, nous lisons de Samuel chapitre 1er, verset 1er, verset 2e. Nous lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 2e, de Samuel chapitre 2. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dit, voici, nous sommes tes hôtes et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saoul était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. Voilà. L'Éternel t'a dit, tu pèteras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Donc, autrefois, lorsque Saoul était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. Amen. Voilà. Que le Seigneur vraiment pambo la binomie. Que le Seigneur vous bénisse tous. Donc, avant toujours remarqué, ici nous constatons, nous remarquons que Saoul, bien qu'il était roi, mais c'est David qui ramenait les peuples et qui protégeait les peuples. Pendant que Saoul était encore roi, mais nous constatons que c'est David qui était en train de ramener le peuple. David qui est en train de ramener le peuple et défendre le peuple, quoique pendant que Saoul régnait. Et David a émis ce qui en haut, la forme nous sous-soutant, à la bergerie de son père. Et David avait parlé de ça d'une autre manière lorsqu'il était dans la bergerie de son père. T'as pas expliqué Saoul. Lorsqu'il explique Saoul, lorsqu'il est allé rejoindre ses frères pour combattre contre Goliath, il a dit ceci auprès de Saoul dans 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Alléluia. Verset 34e. Amen. Dans 35e. Amen. Un samedi, c'est Dieu, le nom de Jésus-Christ. David dit à Saoul, amen, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, j'ai couru après lui. Amen. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je l'ai tué. Donc, mouvement dans ce moment-là, bergerie, Zakini. Et Zalaki, au juste, ce qui bête féroce à côté. Le mouvement qui se passait dans la bergerie, c'était quoi? C'était au juste si. Ben, si une bête féroce rentre dans la bergerie, en réalité, il faut que les brebis va se disperser. Ah, au moment où la bête féroce rentre dans la bergerie, d'office, les brebis doivent se disperser.
Mais ce qui David a s'élancé contre maintenant cette bête féroce. Quand David se lance contre cette bête féroce, d'office, fauve brebis va s'assembler. David se lance contre la bête féroce, les bêtes féroces, aussitôt après avoir combattu les bêtes féroces, les brebis doivent de nouveau se rassembler. Et c'est ce que le Seigneur parle dans Matthieu 23, verset 37e. Amen. C'est ce que le Seigneur parle dans Matthieu chapitre 23, le verset 37e. Combien de fois ai-je voulu vous rassembler? En disant combien de fois ai-je voulu vous rassembler? En faisant comme les troupeaux de l'Éternel. En ce moment-là, ce peuple prend la portion du troupeau. Ni n'est-il d'ailleurs pas en avant? Ce sont des bêtes féroces, les puissantes nations. On ne peut pas parler du rassemblement s'il n'y a pas la dispersion. Qu'est-ce qui fait que le peuple soit dispersé? En réalité, c'est la bête féroce qui disperse les brebis. Voilà. Mais maintenant, vous savez, là, il est rassemblé, exact quand David a vaincu les bêtes féroces. Ah, ce qui fait que les brebis se rassemblent de nouveau, c'est quand David s'élève et il abat les bêtes féroces. Il y a mon nom dans Actes chapitre 7e. C'est pourquoi dans Actes chapitre 7e, là où nous étions. Tous ces mouvements-là, tous les mouvements dans Actes 7e. Nous disons que tous ces mouvements-là, nous les voyons dans les discours d'Étienne, dans Actes chapitre 7e. D'abord, Égyptien a autorisé ça comme bête féroce. Nous montrons que l'Égyptien représente aussi la bête féroce. Oui, où ils ont malmené le peuple. L'Égyptien qui maltraitait l'Hébreu représente la bête féroce qui malmenait le peuple. Donc, comme Égypte, Assyrie. Et cette bête féroce est comme l'Égypte, la Syrie. Aujourd'hui, Babylone. Babylone. Médo-Perse. Aujourd'hui, Grèce. Aujourd'hui, Rome. Rome, païenne. Donc, l'ensemble des puissances mondiales qui est en train de dominer Israël. Voilà. Maintenant, Nathan, on entend une première fois. Maintenant, quand Moïse est venu pour la première fois, il a vu un qu'on outrageait. Il a vu. Il est en train de outrager un. Le verset 24 et le verset 24 de Actes 7. Et prenant sa défense, amen, il vengea. Voilà, place Nazarene. C'est là où nous sommes. Prenant sa défense, il vengea. Celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Amen. Donc, il y a eu la vengeance. Oui, ça vous savez, maintenant, tant on a pour l'envoyer. Des puissantes nations qui dominaient Israël. Nous voyons déjà que pendant que le Seigneur était en train de délivrer Israël sous les puissances mondiales, les puissances des nations, c'était déjà là la vengeance. Il y avait eu la vengeance. Oui, c'est ce qui montre le verset 24e. C'est le langage que Moïse dit ici au verset 24e, Étienne dans son discours, il y vengea celui qui maltraitait l'Égyptien et l'Hébreu. Ils pensaient que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Lorsqu'il était en train de venger tout ce temps-là, il pensait en réalité que le peuple, leurs frères, pouvaient comprendre que le Seigneur leur accordait la délivrance. Mais ils ne comprirent pas. Mais en réalité, le peuple ne comprenait pas. Les jours suivants, amen. Les jours suivants, et ça, quand Jésus-Christ arrive vraiment à la tête. Attention, lorsqu'il dit. Le verset 26 dit, lorsqu'il est question du jour suivant, le jour suivant, en réalité, dans la prophétie, c'est quand Christ est venu dans sa chair, quand Dieu a porté un corps. Il parut au milieu d'eux alors qu'il se battait et il les exhorta à la paix. Amen. Homme, dit-il, vous êtes frère. Amen. Pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre? Mais là, il ne voyait pas aussi que. Mais celui qui maltraitait son prochain les repoussa en disant qui t'a établi chef et juge sur nous. Au moins, celui qui maltraitait l'autre ou a repoussé qui ce qu'on cueillit dans verset 35e. Lorsque vous voyez celui qui maltraitait l'autre, celui qu'on avait repoussé, si tu vas au verset 35e, j'ai lu l'autre de Jésus-Christ, toujours à Acte 7. Amen. C'est Moïse qu'ils avaient régné en disant qui t'a établi chef et juge.
C'est lui que Dieu envoya comme chef et Amen. Comme libérateur Amen. Avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans les bouchons. Mm-hmm. Donc cela veut dire, qui t'a établi chef et juge, pour y prononcer qui en haut, a connu comme Israël. Ah, dans ce verset. Nathan à Jésus. Dans ce verset, celui qui, le frère qui avait prononcé, qui avait dit à Moïse, qui t'a établi juge, qui t'a établi chef et juge sur nous, il est devenu comme le peuple au temps de Jésus. Au temps de Jésus. Maintenant, les frères qu'il persécutait, c'est qui? C'est Jésus lui-même. Maintenant, qui est le frère qu'on persécutait? Ce frère-là, c'est qui? C'est en réalité, Jésus c'est Christ et Jésus lui-même. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, c'est que la carte, il y a un autre temps. C'est que dans ça, lorsque nous sommes en train d'avancer, par souci, tout le monde a que Moïse a l'obagé qu'il vengea et aussi penser que Bagoye Bagayenda voya pour délivrer Bango. Nous considérons que Moïse avait dit qu'il vengea et qu'il est dit qu'il pensait que le peuple pouvait comprendre que c'est lui qui devait le délivrer. Il faut y pas maintenant que Moïse a un signe de Dieu aussi. Il faut savoir qu'en ce moment-là, Moïse représente Dieu lui-même dans la prophétie. Et Dieu a répété le travail de Moïse aussi dans ma boucle à Josué. Le service de Moïse, le Seigneur l'a répété d'une autre manière dans la vie de Josué. Quand Josué a partagé le camouflage, lors du partage de terre, à Saraki que Jébu était entre les mains des ennemis. Josué avait fait de sorte que Jébu reste entre la main des Jébusiens. Donc en réalité, à délivrer Jébu. En réalité, Josué, lorsqu'il a donné le partage de la terre, il n'avait pas chassé les Jébusiens de leur territoire. Josué 15, verset 63e. Nous lisons Josué chapitre 15, le verset 63e. Nous lisons. Amen. Parce que tout est saqué, délivrance, ou ils ont aussi délivrance d'Israël, ils ont lié directement à la vengeance. Nous sommes en train de monter par là que la délivrance d'Israël est liée à la vengeance. Les fils de Juda ne purent pas chasser les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. Et les Jébusiens ont habité avec les fils de Juda à Jérusalem jusqu'à ce jour. Donc, nous avons vu ici que Judas, les Judas n'avaient pas pu chasser les Jébusiens de leur territoire. Et nous avons remarqué quoi? Qu'est-ce que nous remarquons dans ce quand Saoul a eu le pouvoir, nous remarquons aussi que quand Saoul a pris le règne, Jébu qui est Jérusalem, ils allaient toujours délivré. Ah, quand Saoul a pris le règne, Jébu qui est la ville de Jérusalem n'était pas encore délivrée. Quand David a eu première fois l'onction dans 1 Samuel 16, quand David a eu sa première onction dans 1 Samuel chapitre 16, Jébu et Zalaï toujours délivré. David, dans sa première onction, n'avait pas délivré Jébu. Jébu était encore entre la main des Jébusiens. Quand David, après la mort de Saoul, cependant, après la mort de Saoul, David a émis ses amènes à 2 Samuel 2, où monterai-je? David s'est adressé à l'Éternel, où monterai-je? Le Seigneur a dit, à Matan à Hébron. Et l'Éternel lui a répondu, je monte à Hébron. Tawana, Jébu, et Zalaki peut délivrer. En ce temps-là où David avait reçu l'onction et qu'il avait reçu la réponse de monter à Hébron, Jébu n'était pas aussi délivré. Cela veut dire quoi? Cela signifie quoi ce mouvement? Et il y a un côté de sa cœur. Ce mouvement explique que Israël, qui est comme Jérusalem, comme Jébu. Ce mouvement explique que Jébu, Israël, qui représente Jébu, Jérusalem, avec la loi, Azalaki délivré tes poisons à la nature qu'Adam avait perdu. Ah, ceci parle que Israël étant dans la loi. Étant dans la loi, n'avait pas encore reçu la délivrance avec la loi. Oui. Et devant aussi les nations. Devant aussi les nations, Israël était toujours dans la domination, sous l'esclavagisme. Tant que le Seigneur a eu. Quand le Seigneur a eu dans sa chair. Le Seigneur dans sa chair, il est venu trouver qu'Israël était encore sous le joug des Romains. Parce que l'arrivée du Seigneur. Car l'arrivée du Seigneur en réalité. C'est ça, 1 Samuel 16. L'arrivée du Seigneur, c'est 1 Samuel chapitre 16. Tant que David a eu fonction dans la maison. Ah, la
La première venue du Seigneur dans sa chair, lorsqu'il est venu, c'est la première onction de David lorsqu'il a reçu l'onction dans la maison. La première onction de David, David est devenu serviteur dans la maison de Saoul. Donc c'est l'Éternel. Mais au tout temps pour la selon dernier macamétien déjà dans la loi. La première onction de David est l'image prophétique de l'Éternel qui est venu dans son corps en Jésus-Christ, mais sous la loi. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Tant où Saoul a pris. Nous remarquons que après la mort de Saoul, Est à 2 Samuel chapitre 1er. La mort de Saoul est 1 Samuel chapitre 31. Les faits de la mort de Saoul est mentionné dans le premier chapitre de 1 Samuel, de 2 Samuel. Oui, t'as la Koufi. Lorsqu'il est mort, c'est que ce signe a fait la loi. Parce que Saoul a fait ça comme la loi. Saoul étant l'image de la loi, sa mort serait la fin du sacerdoce lévitique, fin de la loi. Qu'est-ce que tu aurais remarqué? Qu'est-ce que nous constatons à la mort après de Saoul? Cette mort, après la mort de Saoul, Jébi n'est pas délivré. Nous constatons qu'après la mort de Saoul, quoique Saoul était mort, mais Jébi était encore entre la main des Égyptiens, Jérusalem n'était pas toujours délivré. Là, Tomoni, dans 2 Samuel chapitre 2e, là, nous avons lu dans 2 Samuel chapitre 2e. Nous avons lu cette écriture au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que dans un autre, petit à petit, nous avons pour faire service au Kakamakamana. Car je veux marcher à petit pas de la manière dont le Seigneur est en train de nous déverser sa parole. La mort à Saoul est à l'Issaka, l'œuvre de la croix. Précisons que la mort de Saoul s'est accomplie à la croix. Parce que la croix est la fin de la loi. Car il est écrit que la croix c'est la fin de la loi. Et qu'est-ce qui se passe? Après cette œuvre, le Seigneur est vers nous. Après l'œuvre de la croix, Christ est venu vers nous, les nations. Et c'est ce que nous voyons dans 2 Samuel chapitre 2e. C'est ce que nous voyons en image dans 2 Samuel chapitre 2e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. À partir du verset 1er. Nous lisons à partir du premier verset de 2 Samuel chapitre 2e. Tout le temps, on est toujours ensemble pour comprendre les choses. Nous voulons marcher ensemble avec vous et vous allez saisir comment nous sommes en train de marcher. Sauf mon premier frère Kéla, toujours que nous juste toi. Ah, tu peux te poser la question, frère Kéla, où allons-nous? Le Seigneur avait dit dans Luc 21, verset 24. Le Seigneur avait dit dans Luc 21, verset 24. Jérusalem sera toujours foulée au pied. Il avait dit que Jérusalem sera toujours foulée au pied. Jusqu'à ce que le temps des nations sera accompli. Et il sera foulé toujours au pied jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Cela veut dire à vos alentours en tant qu'esclave. Cela signifie que Jérusalem sera toujours esclave sous la domination des nations. Oui. Avant d'attendre 2 Samuel 2, d'attendre Galates 4. Avant que je puisse lire 2 Samuel chapitre 2, je vous donne lecture d'abord de Daniel chapitre 4. Galates 4e. Parce que toutes ces choses, il faut bien le saisir. Galates chapitre 4e. Voilà. À partir du verset 23e. Non, je vais verset 26. Non, tu vas venir pour Nicolas à partir du verset 23e. Nous lisons dans l'Isaïe de l'Esprit. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes sont des alliances. L'une du mont Sina enfanta pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sina en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem. Jérusalem, c'est Jébu. Amen. Jérusalem, n'oubliez pas, Jérusalem, c'est Jébu. Aujourd'hui, Josué chapitre 18, verset 28. Voilà, si tu prends Josué 18, verset 28. Ok, dans un livre toujours. Je réponds dans la 4. Le verset 25. Cette fois, je prends le verset 25. Car Agar, c'est le mont Sinaï. Amen. En Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Amen. Voilà. Servitude, il y a un mot des élèves qui présentaient. Parce que lecture au Paul à Zosara, c'est après la mort et la résurrection de Christ. N'oubliez pas que la lecture que Paul donne dans ce chapitre, c'est bel et bien après la mort de Jésus. Après la mort et la résurrection de Jésus. Oui, donc, on attend au Christ qui est dans l'église.
Amen. Et Christ entre dans l'église, c'est David na Hébron. Ah, quand Christ est dans l'église, dans l'image, nous avons vu, c'est David qui va à Hébron. Et David, quand il est à Hébron, quand David reçoit la mortier à Hébron, nous savons que c'est dans 2 Samuel chapitre 2. À partir du premier verset. Après cela, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je dans une ville de Juda? L'Éternel lui répondit, monte. David dit, où monterai-je? Et l'Éternel répondit à Hébron. David y monta avec ses deux femmes, Achinoam de Jizréel et Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. David fit les gens qui étaient auprès de lui, chacun avec sa maison, et ils habitèrent dans les villes d'Hébron. Les hommes de Juda vinrent et là ils joignirent David pour roi sur la maison de Juda. On informa David que c'était les gens de Jabès en Galate qui avaient intéressé. Donc ce que nous avons trouvé alors, David est encore loin. Nous trouvons dans cette écriture que David était encore loin. Coindre David Awa, c'est la manière où Bissot Dondinié comme notre roi, parce qu'il règne dans l'église. La deuxième option de David, c'est la façon dont nous, les nations, l'église, nous savons de ce Christ comme roi, car Christ règne dans l'église. Or, tant David est en Hébron, qu'est-ce qui se passe en Israël? Verset 8e et 9e. Les activités qui se passent en Israël au moment où David reçoit sa deuxième onction, au verset 28e, il est écrit ce qui suit. 2 Samuel 2, verset 8e et 9e. 2 Samuel chapitre 2, verset 8e, 9e jusqu'au verset 10e. Nous lisons. Cependant, Abner, fils de Ner, chef de l'armée de Saoul, prit Ish-Boshet, fils de Saoul. Et les fit passer à Manaïm. Il l'établit roi sur Galate, sur les Assyrites, sur Israël, sur Ephrata, sur Benjamin, sur Ephraïm plutôt sur Benjamin, sur tout Israël. Ish-Boshet, fils de Saoul, était âgé de 40 ans lorsqu'il devint roi d'Israël. Il régna 2 ans. Il n'y a que la maison de Juda qui resta attachée à David. Voilà. Tous autant là qu'à boire malais, malais parce que mon souci est d'attirer bien là que les bangs ne lisent pas mon affaire de dire manquons à manque. Nous sommes montés de lire doucement parce que mon souci c'est de puiser voir l'écriture une par une. Oui, c'est ça. Et l'homme dans son cœur. Amen. Donc, alors toujours sentir une. La maison de Juda, c'est bien que Juda soit bon à Jacob. Nous constatons qu'ici, la maison de Juda, quoi que Juda soit l'enfant de Jacob. Mais à l'autre, ça signe, il y a Bako, il va croire, faire les nations, il va croire Christ. Juda qui reçoit David comme roi, ce Juda représente le peuple du royaume de Juda, représente les nations qui ont reçu Christ comme roi, c'est-à-dire l'Église. Mais tous les mon anime aussi. Qu'est-ce que nous voyons au même moment? Nous constatons qu'au même moment, on prend le fils de Saoul. Nous constatons qu'au même moment, on prend le fils de Saoul, Ish-Boshet, bâtir roi sur tout Israël. On élève Ish-Boshet comme roi sur tout Israël au moment où Juda reçoit David comme roi. C'est là que David va rejeter David comme roi dans le mouvement. Amen. Cela signifie que Israël, le reste d'Israël en dehors de Juda, a rejeté David comme roi. C'est de là que nous voyons l'explication de l'écriture qui dit, il est venu chez les saints et les saints ne l'ont pas reçu. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, Natawana, David a délivré Jébusé. Dans ce temps-là, David aussi n'avait pas délivré Jébus. Qu'est-ce qui se passe? Jour où Bazaïko annonçait mort à Saoul. Au moment où on annonçait la mort de Saoul, 2 Samuel chapitre 4e. Nous lisons 2 Samuel chapitre 4e. À partir du verset 2e. Nazumer verset 4e. J'ai l'honneur de verset. Amen. Jonathan, fils de Saoul, avait un fils perclus de pied. Il était âgé de 5 ans. Amen.
lorsqu'il arriva de Jézreel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boité. Son nom était Mephibosheth. Wow. Yazanaki mwana ya Jonathan. Mephibosheth était le fils de Jonathan. Ponani les années moi. Pourquoi cela est ainsi? Parce que Jonathan au commun que Azara comme la chair de David. Ah, car Jonathan ici il est comme la chair de David. Parce que Jonathan aimait David comme son âme. Car il est écrit que Jonathan aimait David comme son âme. Si tu aimes un homme comme ton âme, l'âme est en acte. Ouais. Mais yondo encore. Amen. Ah, c'est simple. Ah, si tu aimes l'homme comme ton âme, oui. Toi tu es, l'âme est à l'intérieur. Et donc, cela signifie que toi tu deviens son corps. C'est pourquoi parce que David est son manteau. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi Jonathan avait donné à David son manteau. Oui, dans 1 Samuel 18, je pense bien. Voilà. Après ça, il a un manteau. Il avait donné à David son manteau. Qui est comme le corps. Et le manteau étant le corps, cela veut dire que Jonathan était la chair de David. C'est la chair de David. La chair de David. Or, la chair, les autres, ça aussi toute une maison. Or, dans les Écritures, lorsqu'on parle de la chair, c'est toute une maison. Il y a beaucoup de monde qui Saoul a confié à Jonathan. Et c'est pourquoi vous allez remarquer, ce n'est pas en fait que Jonathan doit mourir avec Saoul. On ne compte pas d'autres fils dans le cantique funèbre. Jonathan. On compte que, on cite que Jonathan et Saoul. Parce que Jonathan veut dire la chair de Jésus-Christ. Ah, Jonathan signifie la chair de David, c'est-à-dire la chair de Christ. Et Christ a crucifié sa chair. C'est-à-dire Christ a crucifié sa chair. Et a mis fin à la loi. Il a mis Saoul. Il a mis au même moment où Christ a crucifié sa chair, c'est-à-dire la mort de Jonathan. Il a au même temps mis fin à la loi qui est la mort de Saoul. Voilà. Au même temps, on attend les camions de Jérusalem. Quand, au moment où on annonce la nouvelle de la mort de Saoul, le fils de Jonathan devint boité. Au moment où on annonce la mort de Saoul, nous constatons qu'il y a un événement qui se passe en Israël. Le fils de Jonathan, Mephibosheth, devient boité. Et le fils de Jonathan, c'est Israël. Or, le fils de Jonathan qui devait boiter, mais autre que l'image d'Israël. Parce qu'Israël avait les talons. Oui, les talons. Oui, car Israël avait le talon. Les talons, ils avaient ça la carte pour la très bien. Le talon qui soutient les pieds qui permettait que Israël puisse bien marcher. Les talons là, c'est l'Éternel. Le talon là, n'est autre que l'Éternel. Mais il y avait une prophétie dans Genèse 3, verset 15, que les serpents laissera les talons. Or, il y avait une prophétie dans Genèse 3, le verset 15e, que le serpent blessera le talon. Parce que blesser le talon, c'est la mort. Or, blesser le talon signifiait simplement la mort du talon. Parce que le talon, là, c'est tout un homme. Le talon, là, qui reçoit les blessures, n'est autre qu'un homme, c'est tout un homme. C'est le corps de Christ. Et tant qu'on a crucifié, cela veut dire Israël, qui a aussi sa maison, doit rester boité. Ah, quand le Seigneur est tombé, le talon est crucifié, cela veut dire qu'Israël a perdu le talon, Israël doit chuter, Israël doit boiter. Et c'est ce que l'Écriture déclare dans Romains chapitre 9, c'est ce que l'Écriture déclare dans Romains chapitre 9, le verset 31 à 33. Verset 31 à 33, Romains chapitre 9. Tandis qu'Israël qui nous disons de Jésus, tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres, ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Selon qu'il est écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement. Un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confié. Amen. Donc c'est ça qu'Israël a été, Amen. A commis, a payé. Donc c'est ça Mephibosheth. C'est ça Mephibosheth. Donc il y a quand tu percules les pieds. Oui,
quand cette situation est celle qui attend la mort à Saoul, quand cette situation a eu lieu au moment de la mort de Saoul, Israël est resté toujours dans l'esclavage. Israël est resté toujours sous la loi de l'esclavage. Il y a votre zone dans 2 Samuel 4. Et c'est là où nous disons jusqu'au 2 Samuel 4. Jébus n'était pas toujours délivré. Jébus n'était pas encore délivré. Dieu bénisse. Amen. Maintenant, quand on est dans 2 Samuel 5, arrivé à 2 Samuel chapitre 5e, qu'on bande à partir avec ses premiers, en commençant au premier verset, toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent : voici, nous sommes tes hôtes et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saoul était notre roi, en tant que les gens de Yahweh, c'était toi qui conduisais et qui ramenais l'Israël. L'Éternel t'a dit, tu pèteras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils joignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Verset 6e. Là, verset 6e. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Aux hommes, on attend pour délivrer Jébus. Ah, vous voyez, quand David vient délivrer ici Jébus, à ceux pour délivrer tant à lui, troisième fois l'onction. Il vient délivrer Jébus lorsqu'il reçoit sa troisième onction. Dieu bénisse. Amen. Donc, pour Montal, c'est une délivrance véritable à Israël. Pour montrer la vraie délivrance d'Israël. Et ça, ça demandait un Armageddon. La vraie délivrance d'Israël s'accomplira à la bataille d'Armageddon. Dans Wakoya pour renverser ma puissante nation. Quand le Seigneur viendra comme le véritable David pour délivrer Jésus, renverser les puissances de la terre. Donc, Nathan qui pour comprendre comment le Seigneur a classé les choses. J'ai procédé de cette manière afin que vous puissiez saisir la manière dont le Seigneur a classé les choses dans la ligne prophétique. Or, tant oiseau, il y a un programme pour pouvoir délivrer Israël. Quand le Seigneur vient avec le programme de délivrer Israël, Israël a combien gagné? Israël va l'appeler, voici nous sommes tes os. Et ta chair. Effectivement, Israël va l'appeler comme il décrit ici, nous sommes des os et ta chair. C'est ça Genèse 4. C'est ça Genèse chapitre 4. Adam a cueilli, qu'il va encore être sa femme. C'est ça le mouvement où après nous avoir parlé de la vengeance et Caïn de l'aimer, il est décrit ce qui suit que Caïn, Adam connaît encore sa femme. Et ce n'est pas pour rien. Cela n'est pas enfin que Adam puisse connaître sa femme donc, après la vengeance. Donc, tant que vengeance est scellée, quand la vengeance prendra fin, vengeance est un Armageddon. La vengeance, cette vengeance n'est autre que la bataille d'Armageddon. Après, on a Dieu regarde encore son peuple. Après le combat d'Armageddon, le Seigneur tournera ses regards vers son peuple. Yango Moni, verset 25e. Et c'est là, Genèse 4. Et c'est pourquoi vous voyez que le verset 25e de Genèse 4. Là, tout le monde a voyé que l'enseignement est encore en Israël. Nous voyons que l'enseignement est venu encore de nouveau en Israël. Donc c'est Dieu lui-même. C'est l'image de Dieu lui-même. Et cet enseignement est pour ça que Israël a comprendre qui est Seth. Donc parce que Seth, c'est un autre Abel. Le retour d'Abel s'appelle Seth. Oh, cet enseignement fera que Israël puisse mieux saisir qui est Seth, car Seth, c'est un autre Abel. La naissance de Seth, c'est comme le retour d'Abel, qui était mort, il est revenu. Ah, c'est ça. Ce n'est pas pour rien nommer le roi. Ce n'est pas pour rien qu'il est dit que Seth est un autre Abel. Donc
l'enseignement. C'est ça, Adam connit Ève, sa femme. L'enseignement, c'est l'expression Adam connit Ève, sa femme. Parce que l'enseignement est une sémence. Oui, car l'enseignement dans les Écritures est aussi une sémence. Et cet enseignement fera que Maman a un autre Abel à cet enseignement qui viendra fera de sorte que Israël puisse voir un autre Abel, le retour d'Abel. Voilà, c'est ça le thème. Les retours d'Abel. Quand on regarde comme ça, Abel Yusuf. Ah, lorsqu'on regarde la naissance de Seth, on se dit, oh, Abel est revenu. Cela est produit, il y a programme de Dieu qui est l'enseignement. Amen. La naissance de Seth qui est l'expression du retour d'Abel, c'est tout un produit, le produit du calendrier de Dieu, le calendrier prophétique. Voilà. Amen. Parce qu'il faut comprendre, oui, que vous devez savoir que, comme nous l'avons dit, que quand Thomas était absent, quand Thomas était absent, il savait que Abel pour le voir, car on l'avait tué, on a montré les mains, il a été tué. Alors, ce qui Abel a été, mais si Abel est revenu, il faut la mona et si Kababou, donne la mona Abel encore. Ah, si Abel est revenu, je dois voir comment on l'avait tué, c'est-à-dire que je dois voir Abel. Les traces, la manière dont le Seigneur a montré les traces. Et tant que sur les pommes des mains. Tant que Thomas Moni a dit, ah, mon Seigneur et mon Dieu. Il a adoré. Il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Bible, écriture est imparfaite. Attention, la Bible, chaque écriture cache la perfection. Donc, le fait d'accomplir 7. Le fait le fait de la manifestation de Seth est qu'on produit un ange afin que l'adoration ait. La manifestation de Seth va engendrer un ange et en ce moment-là, l'adoration va s'établir sur la terre. Et c'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce que vous devez saisir. Je vais présenter cela avec plus de détails. Ne sois pas pressé. C'est pourquoi nous lisons le nouveau psaume 79. Donc, tant que nous avons verset 25-26, il y a Genèse 4, il faut que nous avons fait la carte, il y a psaume 79, verset 13. Quand tu prends le verset 25-26 de Genèse 4, il faut que tu puisses voir ça aussi dans psaume 79, verset 12 à 13. Au moment temps, vous pensez que c'est ça, le verset 12. Vous voyez, quand on parle de la vengeance au verset 12, rends à nos voisins 7 fois dans leur sein. Amen. Les outrages qu'ils t'ont fait, Seigneur. Amen. Et nous, ton peuple, les troupeaux de ton pâturage, nous te célébrerons éternellement. Amen. C'est ça la venue des noces. Amen. C'est ça la venue des noces. De génération en génération, nous publierons tes louanges. Que Dieu bénisse cette parole. Et par la grâce de Dieu, tu as dit que tous ceux qui sont petits à petit, tous ont posé une pierre, malin, bon, c'est ça. Par la grâce du Seigneur, nous sommes en train de marcher à petits pas, c'est-à-dire que nous sommes en train de construire pierre sur pierre. Donc, c'est que Nakotambolangi. Je vais marcher de la façon dont j'ai marché. Je voulais surtout te montrer. Véritable délivrance à Israël, c'est à la fin. Ce soir, je voulais juste te montrer, surtout te montrer que la vraie délivrance d'Israël, c'est à la fin. Et Dieu venge pour libérer les peuples. Quand le Seigneur viendra venger pour délivrer Israël en réalité dans l'Armageddon. En réalité, la vengeance, cette vengeance est conclue, scellée dans la bataille d'Armageddon. Donc, après qu'il y ait un gouvernement, car après la bataille d'Armageddon, qui est la vengeance, règne Yamabele Yabatou ici. Après cette bataille, les nations de la terre, les puissances mondiales ne vont plus régner. Ça sera la fin des temps des nations sur toute la terre. Et Israël aussi, Israël, à
vous allez délivrer aussi de la loi. Israël sera délivré de la loi et de toutes les nations qui les entourent. Et qu'est-ce qui se passera en ces temps-là? Parce que délivrance à Israël. Car la délivrance d'Israël. David a chanté ça dans 2 Samuel. David a chanté ça. Dans 2 Samuel 22. Dans 2 Samuel chapitre 22. Amen. Il y a un peu ça dans le psaume 18. C'est ce qui est décrit dans le psaume 18. 2 Samuel 22. Il faut comprendre très bien. Ces choses, vous devez bien saisir ça. Au moins, ils sont conçus verset 1er de Samuel 22. Quand vous prenez le premier verset de Samuel 22, je donne le verset. David adressa à l'Éternel les paroles de ses cantiques. Amen. Lorsque l'Éternel lui délivrait de la main de tous ses ennemis. Amen. Et de la main de Saoul. Voilà. Saoul comme la loi. Amen. Et tous ses ennemis comme des nations. Saoul ici comme la loi et tous ses ennemis comme les nations. Il y a un des ours qui attaquent 42 de ses adolescents. C'est ça, les deux ours dont nous avons parlé, les deux ours qui avaient attaqué les 42 de ses adolescents. Attention, ces adolescents-là n'étaient pas au nombre de 42. Il y a plus que ça. Ils étaient plus nombreux. J'ai toujours dit, je vous ai toujours dit que si tu avais prêché que les adolescents étaient au nombre de 42, tu dois préparer. C'est n'a pas loué le Seigneur parce que Banawa en Zambie, nous avons préparé déjà la forme de distinction. Je bénis le Seigneur parce que les enfants de Dieu ont commencé déjà à réparer la femme des distinctions qu'ils ont mal prêché autrefois. Et que Dieu les bénisse. Que Dieu les bénisse pour la réparation. Ce sont les enfants de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu. Nous louons le Seigneur. Quand on parle, ils apprennent enfin que la vérité est à l'établissement. Amen. C'est ça notre souci. Ils apprennent pas à la bien positionner. Notre souci, c'est simplement lutter contre l'esprit de l'erreur afin que les enfants de Dieu soient bien positionnés. Un point, un trait. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, il y a un de 2 Samuel 22, Zorobéla. C'est ça. La manière que les hommes avaient sur le côté de Israël. C'est ça, 2 Samuel chapitre 22, là où nous étions, où le Seigneur parle de la manière dont il viendra délivrer les enfants d'Israël. Après cette délivrance, a délivré par Israël. Quand le Seigneur a délivré les enfants d'Israël, 2 Samuel 23 va intervenir. 2 Samuel 23 va intervenir. Amen. Au-delà, les dernières paroles de David. Il s'appelle enseignement. Tu peux prêcher, tu peux comme thème, comme titre, comme sujet, les dernières paroles de David. Il y a mon de Samuel 20. C'est ça, 2 Samuel 23. J'ai lu un autre verset. Voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Israël. On a pris délivrance à Israël, ça c'est après la délivrance d'Israël. Paroles de l'homme haut placé, de loin de Dieu. De Jacob, du chantre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice. Donc, quand l'Éternel a délivré Israël, quand l'Éternel a délivré Israël et qu'il a libéré Israël, David a bénissé ma parole. David a fait sortir les dernières celui paroles. Celui qui règne parmi les hommes avec justice. En disant que celui qui règne parmi les hommes avec justice. Celui qui règne dans la crainte de Dieu. Amen. Verset 4. Et pareil à la lumière du matin, quand le soleil brille, et que la matinée est sans nuage. Très important. Donc, tant que Assisi combattait, on soit délivré le Père. Quand David a terminé, il a terminé toutes les batailles et qu'il a délivré Israël. Donc, nous sommes au moins verset 2 Samuel 22. Le verset 2 de 2 Samuel 22.
Na carte à 2 semaines 22, on parle comment l'Éternel a délivré David. Ah, dans 2 Samuel 22, on parle de la manière dont l'Éternel a délivré David. De tous ses ennemis. De tous ses ennemis. Et de la main de Saoul. Et de la main de Saoul. Dès toujours, Dieu se sert des hommes comme des signes. C'est de là que nous disons que l'Éternel se sert des hommes comme signes. Selon Zacharie 3, verset 8. C'est que David a ça comme Israël. Ici, David prend la portion d'Israël. Parce qu'aujourd'hui, c'est Israël à Zana. Esclavagisme, la main à Saoul qui est la loi, et la main de ses ennemis qui sont les puissantes nations. Car c'est Israël aujourd'hui qui est sous l'esclavagisme de la loi et de ses ennemis qui sont les puissances de la terre. Mais quand délivrance il y a David, dans 2 Samuel 22, quand la délivrance de David, tel que cela est écrit dans 2 Samuel chapitre 22, David qui est comme signe d'Israël ici, David qui représente Israël ici, donc quand cette délivrance est saillie, quand cette délivrance sera accomplie, délivrance de Zoloba Armageddon, la délivrance dont nous sommes en train de parler dans la prophétie, la bataille, et que le Seigneur s'est manifesté par Nabango, et que le Seigneur va se révéler à Israël, après ce mouvement-là, dernière parole à David et Bozala, après ce mouvement-là, les dernières paroles de David sont là, quand il a vu l'Éternel, Azomon a réellement l'Éternel, Azomon a la présenté comme est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille et que la matinée est sans nuage. Amen. Après cela, David voit l'Éternel et il voit l'Éternel comme la lumière du matin quand le soleil brille et que la matinée est sans nuage. Cela veut dire quoi? Que signifie cela? Les nuages sont des envoyés. Les nuages, c'est des envoyés. Donc après l'Éternel, le Seigneur va visiter Nabo. Après que le Seigneur viendra visiter Israël, le ciel sera sans nuage. Quand le Seigneur viendra visiter Israël, le ciel sera sans nuage. Donc cela veut dire qu'il n'y aura pas un autre envoyé à part l'Éternel. Cela signifie que l'expression que le ciel sera sans nuage, qu'il n'y aura pas un autre envoyé à part l'Éternel. Lui-même. Donc, ils ont soutenu l'Éternel. Cela veut dire que c'est l'Éternel qui clôture, qui permet toutes choses. C'est tout un enseignement, les paroles de David. Il y a tout un enseignement dans les dernières paroles de David. Matthieu, à côté, à Ouézébélé. Il y a beaucoup de choses à enseigner ici, dans les dernières paroles. En ce temps-là, quand le ciel est sans nuage, quand le ciel sera sans nuage, nous sommes déjà millénium et sans coupable. Nous voyons que c'est le temps du règne du Christ appelé millénium. Remarquez cette chose. Et ces rayons après la pluie font sortir des terres la verdure. Dans la terre, on a la verdure, les autres disent, donc c'est la résurrection, c'est en Apocalypse 20. En ces temps-là, on voit les verdures sorties de la terre. Ce mouvement de la sortie de la verdure n'est autre que ce qui est dit dans le chapitre 13, la première résurrection. Et Apocalypse 20e. Parlons sur la première résurrection. Voilà. Amen. Donc, quand Tamazon va gagner, les rayons après la pluie font sortir de terre la verdure. Donc, c'est la résurrection. La résurrection va gagner millénium et banda. Lorsqu'il est dit ici, ces rayons après la pluie font sortir de la terre la verdure, c'est la première résurrection avant le règne de Christ, appelé millénium. Il n'y aura plus d'envoyés. Et en ces temps-là, il n'y aura plus d'envoyés. C'est pourquoi le ciel est sans nuage. Voilà pourquoi le ciel est présenté sans nuage. Millénium, mes amis. Il s'agit de millénium. Il y a le millénium ici. C'est toute la vie du temps. Maintenant, qu'un homme allait mal. Nous allons aller avec ça tous. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Je sais que le Seigneur a pu aider. Je sais que le Seigneur va nous aider. Donc, dans le dernier temps, la façon dont nous avons marché ce soir, ici que nous avons montré que la grande délivrance d'Israël dans l'emprisonnement où il y a la nation et au Salema, quand David a voyé pour la troisième onction. Nous avons montré que la grande délivrance d'Israël se fera à la troisième onction de David. C'est ce qui est total ici. C'est ce que nous avons montré ce soir.
Et cette délivrance t'aurait lié avec 2 Samuel 22. Nous avons lié cette délivrance avec 2 Samuel chapitre 22. Quand délivrance à 2 Samuel 22. Quand la délivrance a eu lieu dans 2 Samuel chapitre 22. Les paroles de David n'ont qu'à être dans le que le ciel est commis sans nuage. Après cela, dans les dernières paroles de David, il est dit que le ciel est devenu sans nuage. Si ma nuage va comparer à l'homme aussi comme des serviteurs. N'oubliez pas que les nuages dans les Écritures sont vus comme étant les envoyés. Mais après la délivrance, le ciel a besoin d'un nuage. Après la délivrance, le ciel sera sans nuage. Cela veut dire la visitation du Seigneur, il est le dernier prophète. Cela veut dire que la visitation du Seigneur, il vient comme le dernier prophète, il n'y aura plus d'envoyés. Et c'est ça. Il n'y aura plus d'envoyés. Et dans le temps, on va vertir les bandits communs. En ce temps-là, on voit la verdure sortir de la terre. C'est ça pour les 20. C'est ça pour les chapitre 20. Ça va sur la première élection. Lorsqu'on parle sur la première élection avant le règne de Christ. Au règne de Christ, on a eu le sans liage. Ah, car il y a le règne de Christ qui doit commencer. Il y a un règne où il y aura sans liage. Ils allaient là-bas, tu me sens dans la doctrine, dans la mauvaise bague, dans la pasteur, dans la mauvaise bague, il y a d'autres personnes dans la doctrine. Dans leur fausse doctrine, ils pensent que les enfants du pasteur, ce sont eux qui prêcheront les gens pendant le règne de Christ, appelé le millénium. Donc, toujours insister que tant de délivrance à Israël est réunie. Nous insistons surtout quand la délivrance d'Israël aura lieu. C'est l'adoration d'Israël. Ça sera le temps de l'adoration. La louange d'Israël. Parce que Dieu anéantit tous les ennemis. Car le Seigneur va détruire, va anéantir tous les ennemis d'Israël. Que Jésus-Christ apporte le meilleur chemin. Amen. Que le Seigneur vous bénisse le chemin ce soir. Et que la paix du Seigneur les alicône à mon corps, à mon corps. Amen. Et que la paix de Christ soit le partage de chacun de vous. Makambo yeza makasi te ne totambola no malembe na litotambola no vraiment bongo ozala na ba base solide. Ces choses en réalité n'est pas difficile. Nous voulons marcher à petits pas doucement afin que vous puissiez saisir et que vous ayez des bases solides. Ozala na ba base solide, des bases solides lorsque vous venez tenter de défendre quelque chose. Na éviter ce qui parenthèse n'engage la foule qui lobby ce qui les lot frères et sœurs aux à l'église au pasteur à terre à qui il faut que là tu vas bijou ce qui est beaucoup déjà les lot tobole ma toi à tu vas bijou na éviter. Ah, je ne sais pas par rapport à la parenthèse que j'avais ouverte hier en disant que homme frère chère sœur, si vous êtes dans une église où l'homme de Dieu autorise le port des bijoux. Si lui-même il a commencé à trouer ses oreilles, les oreilles de ses enfants, les oreilles des gens, de ses garçons, oui. Si lui-même il a commencé, lui-même il a trouvé, ses oreilles, c'est-à-dire il a mis les boucles d'oreilles, oui. Et il a trouvé les oreilles aussi de ses garçons, de ses fils, oui. Et aussi il a trouvé les oreilles des autres frères. Oui, des autres frères. Si, je ne sais pas si il a fait cela pour répondre, pour que ça soit conforme à l'Écriture. À l'Écriture. À l'Écriture des autres. Parce que nous croyons que si tu célébrais la Pâque, oui. Égypte. Parce que nous croyons que nous célébrons la Pâque, nous sommes déjà sortis de l'Égypte. Selon 1 Corinthiens 5, versets 7 et 8. Selon 1 Corinthiens 5, versets 7 et 8. Christ, notre Pâque a été immolé. Célébrons donc notre fête. Amen. Célébrons donc la fête de Pâques. Donc, c'est que nous sommes en entier la monde. Ah, c'est que nous aussi, nous sommes plus sous le joug du monde. Alors, on le voit ça à la lettre. Maintenant, vous voulez appliquer la chose à la lettre. Tant que cela est livré dans l'Égypte. Il faut battre la matoussou, balataba, bijoux. Ah, il va la banabasse. Il faut trouver les bijoux comme c'est l'écriture, trouver les oreilles pour porter les bijoux comme l'écriture l'a mentionné, les fils et les filles. Dans Exode 32. Dans Exode 32. Pour le coup, le pasteur base dans la défense des années l'ancienne alliance. Comme le pasteur, toi qui autorise, toi, l'homme de Dieu, docteur, apôtre, évangéliste, pasteur, prophète, toi qui autorises le port des bijoux dans ton église, tu dois respecter Exode chapitre 32 où on a vu
les fils et les filles. Toi qui veux appliquer les choses à la lettre. Dans l'ancienne alliance. Toi-même, tu commences à trouver. Ah, si toi-même tu ne commences pas d'abord à trouver tes oreilles et les oreilles de tes fils, tu deviens menteur. Ah, en ce moment-là, si vous tous vous avez des boucles d'oreilles, des pastas avec des vous serez en ce moment-là l'église des rappeurs, l'église des musiciens, l'église des pastas. Donc, tu deviendras un rappeur. Pour utiliser l'ancienne alliance. Pourquoi? Toi qui utilises l'ancienne alliance pour autoriser le port des bijoux, en ce moment-là, tu deviendras un rappeur, pasteur. Docteur rappeur. Imagine. L'église des rappeurs. Donc, les rappeurs, les enfants des rappeurs. C'est une honte. C'est une honte.